Eh ben bonjour les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme c'était prévu, début août, l'enquête de nuit à la maison de repos. Donc voilà, on a fait un petit live tout à l'heure pour le repérage en journée. Donc on va faire de nouveau un petit repérage. Je pense que on va travailler au troisième étage. Oui. Au troisième étage. On va rester au troisième étage. Ça va être un petit peu compliqué. Il y a assez bien toutes les portes ont été démontées. Donc voilà, ça sera pour tout ce qui est PVE, ça sera un petit peu difficile. On va essayer de faire pour un mieux. Quand on fera des séances de PVE, on restera dans le couloir. Il y a une trop grosse pollution sonore qui vient de l'extérieur, donc voilà. Tant que j'y suis, je vais mettre ma... Je devais tenir là. Oh, ça ira? Voilà. Donc je vais lancer ma facecam. Voilà, synchro facecam. Ok. Je vais la régler un petit peu. Voilà. Donc on va monter, on va faire les trois étages. Et on travaillera au quatrième. Au troisième. Au troisième, oui. Oui. Au troisième. Merci François, c'est gentil. Coucou ma chérie. Et on terminera par... Donc comme vous voyez, tout est complètement... La morgue. Passé. Voilà l'état. Donc on va aller au troisième. Le premier, n'en parlons pas, c'est trop dangereux. Ouais, le premier, c'est impossible. Il y a deux buts de partout, le plafond qui tombe. N'hésitez pas à partager un maximum. Bonsoir, je m'appelle Fifi, on est ici pour essayer de rentrer en contact avec vous, s'il y a encore entité sur les lieux. On n'est pas ici pour vous chasser, nous ne sommes pas, comme beaucoup le disent, des chasseurs de fantômes. On est ici pour comprendre. Pour quelles raisons vous êtes encore dans ces lieux, ou même si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas.
Vous pouvez crier fort dans les caméras, dans les micros des caméras. Si réellement vous avez besoin d'aide, on reviendra. Il n'y a aucun souci. La seule chose que je vous demande, c'est d'être courtois avec nous, gentil, car nous, on est gentil. Donc, je vous demanderai, si vous êtes d'accord, de nous suivre. Nous allons travailler au troisième étage. Voilà. Donc, je vous demande de me suivre, si vous êtes d'accord. Voilà. Je vous présente aussi Marie, qui est à côté de moi. Donc, c'est la même chose pour elle que pour moi. Soyez courtois et tout se passera bien. Merci. Quasiment toutes pareilles. Je vous montrerai qu'on sera arrivé au troisième étage. Je préfère encore refaire un tour de tous les étages car c'est beaucoup squatté. Donc voilà, on va monter maintenant au deuxième. Bonsoir. Suivre ainsi que s'il y a entité, nous allons monter au troisième et alors là sera notre lieu de travail. Donc n'hésitez pas, suivez-nous. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, il n'y a pas de souci. Vous avez quelque chose à nous dire. Si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas. On est là pour ça. Profitez que nous sommes là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs en paranormal qui est venu dans ce lieu.
Donc n'hésitez pas, on n'est pas ici pour vous chasser, on est juste ici pour comprendre pour quelles raisons vous seriez encore dans ce lieu. Donc voilà. En infrarouge dans le noir, je prendrai mon dictaphone et on essaiera de capter quelques PVE si possible dans le couloir, car à l'extérieur dans les chambres ce n'est pas possible car il n'y a plus de porte. Oui, comme dit Isa, je suis avec Vincent de Fifi pareil de Bec. Donc voilà, donc ici c'est ici que nous allons mettre un plan fixe. Voilà, ici c'est la chambre pour nous. Voilà. On va donc on va. Et avec Vincent, on a convenu que s'il y a vraiment trop de bruit à cet étage, au niveau des autoroutes, on s'installera dans le couloir pour essayer d'obtenir s'il y a plus de lieux. Essayer de tenir un maximum de PVE. Marie, t'as oublié qui je suis, Caro? Oui, la Marie qui voulait arrêter, c'est ça. Eh bien, la Marie, elle continue. Et la Marie, finalement, elle continue. Voilà. Donc, voilà. Elle ne va pas se faire influencer par des cons. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Et grâce à vous tous, et surtout à... On va... tout doucement placer le plan fixe et après on ira faire une petite randonnée dans le noir, dans le couloir, pour essayer de capter un PVE. Et ben, je vous reprendrai après les amis, à tout de suite. Bonsoir Cathy. Voilà. Du coup, hop. Par contre, vous pouvez m'éviter de m'envoyer des MP. Ça m'arrangerait parce que sinon ça va faire planter le direct. Bonsoir Liloute. Voilà, ça enregistre. Bonsoir Toy. Donc voilà, ça commence à être prêt tout doucement. Caro qui dit ok, tu peux le mettre sur le long de la table. C'est fait. Voilà, synchronisation phase 1. Et ben voilà, on a fait un petit plan fixe. Donc vous avez le caméscope qui est en train de filmer le pod. Voilà le pod. Vous avez un détecteur LED. Vous avez le pod. Et alors vous avez un lumellmetteur qui fait également pod. Donc normalement on voit toute la longueur de l'antenne comme ça. S'il y a réellement quelque chose, ce n'est pas nous qui l'activons derrière la caméra. Donc on va laisser comme ça. On va... C'est rien, c'est moi. Je pense que j'ai cassé le carreau. Oui. Qui est déjà cassé, de toute façon. Voilà, hein? je l'ai recassé un petit peu plus. Un bel vecteur, Marion. Donc voilà, on va
retourner dans le couloir. Merci Lilo. Voilà. N'hésitez pas, je vous ai mis deux appareils à votre disposition dans la chambre. Il vous suffit de vous en approcher et de toucher les antennes. C'est inoffensif pour vous. Je vous jure que c'est inoffensif. C'est uniquement pour montrer votre présence dans ces lieux. Je vais me mettre en infrarouge et je vais prendre mon dictaphone et je vais vous poser quelques questions. Et si vous voulez me répondre, il n'y a pas de souci, tout sera enregistré et quand je ferai mes rushs, à ce moment-là, je pourrai vous entendre. Donc, voilà, c'est parti. Je vais prendre mon dictaphone. Ça va aller. Je monte de l'autre côté. Tellement proche. Ça arrive. Donc là. Oui, je sais, Marion. Ouais. Parce que Marion disait que le malmetteur, ça capte les champs électromagnétiques. Oui, mais il fait pod. Il fait pod en même temps. Ouais, c'est plus pour l'effet pod. Vincent, il est stressé en même temps. C'est la personne qui dit doucement, Vincent, respire un peu. Ça va aller. Ouais, parce que moi, je ne suis pas pour le cardieux et le malmetteur. Parce que c'était que ça capte. Mais c'est plus pour l'effet pote, parce qu'il a le. La petite antenne bleue, là. Voilà. Tu sais allumer ta. Talent, parce que je vais me mettre en infrarouge. Je vais la chercher. C'est moi. Donc tout doucement, je vais me mettre en infrarouge. Alors, je lance l'enregistrement sur le dictaphone. Je tiens un appareil dans mes mains, ça s'appelle un dictaphone. Si vous criez ou parlez fort dans cet appareil, je pourrai vous entendre. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, on est là pour ça. On va rester quelques minutes immobile, sans faire de bruit. Et si jamais vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas. Combien êtes-vous dans ce lieu?
Est-ce que vous auriez besoin d'aide? Est-ce que notre présence vous dérange? Si notre présence vous dérange, essayez de faire un bruit, taper dans un mur, sur une porte. Si vous êtes là, pardon, vous pouvez éventuellement essayer de pousser la petite tablette qui est sur le côté avec les roulettes. Le bruit que vous venez d'entendre, c'est à l'extérieur. Il y a certainement un chat ou une plaque dehors. On va avancer un petit peu. Pourriez-vous rentrer en contact avec nous? Voilà, je mets ça au milieu. Ça roule en fait, il suffit juste d'appuyer un petit coup et puis ça va faire couler. Si vous êtes parmi nous, vous essayez de pousser.
Faites-le rouler, s'il vous plaît. Si vous voulez, prenez de l'énergie dans les batteries si vous n'en avez pas assez. Je suppose que vous n'êtes pas habitué de voir des gens comme nous dans votre lieu, mais n'hésitez pas. Nous ne sommes pas méchants. Vous avez toute une série d'objets au sol. Vous pouvez attraper n'importe lequel, celui avec lequel vous avez le plus facile. Est-ce que vous pourriez juste nous dire, enfin nous faire comprendre, pardon, est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites rouler l'objet que j'ai mis au sol. On voudrait juste rentrer en contact avec vous. On ne vous veut aucun mal. Est-ce que vous pourriez essayer alors éventuellement de faire un petit bruit? Frapper sur un mur, cogner une porte, là où vous avez le plus facile. Je vais essayer autre chose. J'arrive à le faire tenir. Voilà, j'ai mis ça sur la robe. C'est tout léger, c'est du plastique. Il suffit juste d'aller contre et il tombe à terre. Juste pour nous prouver que vous êtes parmi nous. Est-ce que vous pouvez le faire basculer, s'il vous plaît? Ils n'ont pas envie. Ils sont timides. Ils sont timides, oui. Pas habitués, hein. Non, je pense, oui. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez peur de nous? Si oui, faites un bruit. Tapez dans le mur. Vous voyez, c'est facile. Un petit bruit pour nous faire comprendre. Est-ce que vous avez peur de nous?
Nous sommes ici pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Tout à l'heure, on essaiera de rentrer en contact avec vous en faisant une séance de Spirit Box. Vous allez me dire, c'est quoi une Spirit Box? C'est une radio AM/FM qui a été modifiée et qui balaye les fréquences AM/FM à petite et grande vitesse. Avec cet appareil, vous pourrez nous faire des phrases ou nous donner des mots, des noms. Donc tout à l'heure, vous pourrez essayer de rentrer en contact avec nous avec donc cette fameuse petite radio qui s'appelle une Spirit Box. Est-ce que vous avez compris? Si oui, essayez de faire bouger le rouleau par terre. Nous décidons d'arrêter cette longue séance de PVE, car après analyse de ces PVE, nous n'aurons rien eu de concret. De plus, cette enquête est très compliquée pour nous, à cause de cette pollution sonore qui vient de l'extérieur des bâtiments. En espérant que la suite de cette enquête soit un petit peu plus fructueuse pour nous, nous continuons l'enquête. Ben, je vais arrêter la séance de PVE. Voilà. Si vous êtes rentré en contact avec nous via le dictaphone, je vous en remercie. Je verrai bien au rush, voir si j'ai capté vos messages. Merci. Bonjour Ludo. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Non, non, je remets le dictaphone. Si j'y arrive. Voilà. Tu veux qu'on fasse une séance de Spirit Box? Non, je pense que ce serait mieux. Hein. Oui. Ça sera... Non. Ah, non. Oui. Je suis un petit peu perdu. Je suis ta boussole. Donc on va faire une séance de Spirit Box. Venez. Oui. Venez, suivez-nous. Bon. Voilà. Attention de ne pas. Bien. Un support. Posez ça. Comme ça. Donc les amis, on va faire une petite séance de Spirit Box. Juste le temps pour moi de préparer le matériel. Et on y va. Donc on va faire une séance de Spirit Box, le temps que Vincent prépare.
Il y a quelqu'un avec nous, ici. Êtes-vous avec nous dans cette pièce? Êtes-vous beaucoup ici? Pourriez-vous toucher la petite antenne qui se trouve ici, devant moi? Touchez-la, s'il vous plaît, pour montrer votre présence. Regardez, c'est inoffensif, regardez. Voilà. Touchez-la, s'il vous plaît. Passez devant le détecteur, quand il sera éteint. J'ai un appareil dans mes mains, ça s'appelle un K2. Si vous venez près de moi, venez à côté de moi. Et touchez le petit boîtier que je détiens dans mes mains. C'est inoffensif. K2. Venez toucher. S'il vous plaît. Touchez-le.
capitaine. Vous tapez dans un mur. Découpé. Si vous êtes touché, le câble, je le tiens dans ma main. Touchez-le.
totem du petit boîtier qui est sur la table. S'il vous plaît, essayez. Ça nous ferait énormément plaisir, comme ça on serait peut-être avec nous. Eh ben les amis, c'est pas top, hein. C'est pas très concluant tout ça. Non. Il n'y a pas grand chose. Peut-être changer d'étage. Le problème c'est le bruit. Ben oui. Ici c'était l'étage, on entendait vraiment le bruit. Mais là on peut le voir, on peut vraiment le voir. Ou alors on pourrait peut-être... Donc ici on est au troisième, je ne m'y ferai jamais. On est au troisième. Ce qu'on peut faire, c'est descendre d'un étage. Peut-être mettre le pod en plein milieu du couloir. Et essayer de faire une séance de PVE. Ouais. Et après, si ça ne va pas, on prendra une petite pause si tu veux. Je pense que le K2 vient de se. C'est pas moi qui ai mon portable ? Un message ? Ouais, c'est mon portable. Ouais. Donc, le K2, on oublie. Marie est en live. Donc, voilà, je l'éteins. Ouais, le cadeau, ça ne sert à rien, tu te remets dans... Ouais. Tiens, s'il te plaît. Merci. Excuse-moi. Donc voilà, on va descendre d'un étage. On va essayer de refaire... on mettra le pod en plein milieu. On va essayer de refaire une petite séance de Spirit Box. Mais plus avec la 7. À ce moment-là, on ira chercher la 11. Oui, c'est mieux. Et alors, là, je désactiverai l'antenne. Ouais. Et alors, voilà. Eh bien, je vais arrêter le plan fixe. Voilà. Pas grand-chose. Non, c'est très, 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 très calme. Très... Je suis surprise pour mes heures de repos, en général. Je ne comprends pas. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que. Ça ne veut pas dire. Ouais, tu m'as demandé. Ben. Voilà, le vrai paranormal, c'est ça. C'est où il y a ou il n'y a pas. Voilà, c'est pas à tous les coups. Hein? Voilà. Je prends les 15 heures. Si tu allumes ta ce qui est pour que tu vois plus clair. Voilà. Ah, on voit mieux ce qu'on dit du coup. Au milieu. Ouais, donc on va descendre dans l'étage, on va tenter un deuxième. Et on va voir. C'est très 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 calme. Donc
toujours des amis, voilà, on va descendre d'un étage, on va essayer quand même d'avoir, de capter quelque chose. Hein. Donc, on va essayer de mettre le pod et le metteur en plein milieu du couloir, au deuxième étage. Après, on prendra une petite pause. Et alors, je vous remonterai avec la PSB11. Là, on est sûr de ne pas capter les fréquences radio. Et alors, on verra bien. Eh bien, c'est parti. Bonsoir, je m'appelle Fifi, je suis accompagné de Marie. Nous sommes ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. J'espère qu'on aura un peu plus de chance qu'au troisième étage. Nous ne sommes pas ici pour vous embêter, juste pour savoir si vous avez besoin d'aide. Je me doute que dans cet endroit, vous ne... Je me doute que dans cet endroit, vous avez de la visite, mais peut-être pas de la visite comme nous on fait. En fait, voilà, on est juste ici pour essayer de rentrer en contact avec les entités qu'il y aura encore dans ce lieu. Donc n'hésitez pas, rentrez en contact avec nous. Je vais placer deux appareils dans le couloir. Vous n'aurez qu'à essayer de toucher les antennes. C'est inoffensif pour vous. Je vous montrerai. Et voilà. Donc, je vais déposer la caméra par terre. Et je vais vous disposer les deux appareils. Et on essaiera de rentrer en contact avec vous. Merci. Posez la caméra. Oui, toi, ce sont des... Oui, ben, dans l'étage où on était tout à l'heure, c'était des chambres aussi. C'est normal, il faut qu'il se calibre. On le voit quand même, le pod? Ouais, on le voit. Je peux me rapprocher si tu veux. Oui, mais non, mais la caméra... Ah, attends. Pas bien. Pas bien? Non. Mais je vais toujours mettre le numéro. Voilà. Merci à tous pour vos partages.
Voilà, on voit bien. C'est nickel. De toute façon, on l'entendra. Oui. Donc, je vous explique. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas dangereux pour vous. C'est inoffensif. Vous n'avez qu'à vous approcher et toucher l'antenne, comme ceci. Vous n'êtes même pas obligé de toucher l'antenne. Uniquement. Voilà. Ici, je suis à 5 cm. Voilà, vous voyez? Voilà. Identique pour celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais m'en éloigner. Si vous voulez, on va se mettre dans le noir. Voilà. Pourriez-vous toucher les deux appareils qui se trouvent en plein milieu du couloir, s'il vous plaît? Touchez les petites antennes. Est-ce que vous êtes près de nous? Vous faites un bruit, tapez dans un mur, comme ça par exemple. Vous avez peur de nous? Nous ne sommes pas méchants. Au contraire. On est ici pour vous aider, si vous le désirez. Profitez que nous sommes là. De marché. J'entends du marché. Est-ce que c'est vous qui marchez vers nous? C'est vous qu'on a entendu marcher. Venez près de nous. Et en passant, touchez les petites antennes. On est dans le noir total.
Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, touchez la petite antenne. Vous faites un bruit. Vous touchez-moi la main. Ou la main de Marie. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, touchez la petite antenne, s'il vous plaît. Êtes-vous une femme? N'ayez pas peur. Venez près de nous. On n'est pas ici pour vous chasser. N'ayez crainte. Si vous êtes encore ici, c'est que vous avez une bonne raison d'y être encore. Ou alors vous seriez parti dans la lumière. Oui, c'est très calme, Isabelle, oui. On voudrait bien comprendre le pourquoi vous êtes encore ici. Tout simplement, si vous voulez rester dans cet endroit, c'est votre choix. Bientôt, nous allons prendre une petite pause de un quart d'heure, 20 minutes, je t'en pense. Ouais. On reviendra avec un appareil, encore une radio, comme je vous ai fait à l'étage au-dessus, en espérant qu'avec cette radio modifiée, on pourra rentrer en contact avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand nous sortirons, je vous demanderai de rester dans les couloirs, de ne pas nous suivre. Nous reviendrons. Nous ferons une séance de Spirit Box. Et si malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer en contact avec vous, on partira et on vous laissera tranquille. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, touchez
et une des deux petites antennes qui sont devant vous, qui sont inoffensives pour vous. Prenez de la puissance, des batteries, si vous avez besoin d'énergie. Je ne vous demande pas de vous manifester, mais au moins touchez une des antennes, s'il vous plaît. On serait vraiment, vraiment content de savoir que vous êtes avec nous. Oui, Chouquette. Allez, n'hésitez pas, touchez-la. Allez. Oui, Chouquette. À trois, on y va. Un, deux, 3, allez-y, touchez l'antenne. Vous faites un bruit. Faites un bruit alors. Il y a encore un étage en dessous. Non, oh, mais c'est l'étage que le plafond va tomber. Attends, un, deux, trois, deux. Ouais, le premier. Ah, c'est le premier, ouais. Il faut jamais. C'est au premier, je crois, que le plafond est prêt à tomber. Eh ben, si vous avez parlé. C'est à l'extérieur. Mais je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez parlé dans les micros. Merci à vous. Merci à vous. On va prendre une petite pause d'un quart d'heure, 20 minutes, et on reviendra avec la BSB7, la BSB11. Merci. Wow. Ça réveille, dis donc. Ouais. Non, Chouquette, je suis toute seule avec Fifi. Et voilà. Et Nicolas Plévert, c'est Marie, anciennement ERVP. Et bien voilà, on va aller se restaurer un petit peu. Ouais. Ouh. Encore un peu, vous allez voir Marie au salon. Ben oui, je pense que j'ai entendu un petit bruit. Mais vraiment, 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 vraiment fait, petit ouais. Fait. Bon, maintenant, ça peut être de tout, ça peut être le vent, ça mais peut c'est être... Ça. C'est ça l'inconvénient, quand il y a du bruit comme ça. Quoique, à un moment donné, il y avait plus... L'autoroute, il n'y avait plus grand chose, à un moment donné. Ça
Portail. Voilà. Synchronisation face cam. Et bien voilà les amis, après une petite pause bien méritée, on repart pour la deuxième partie de l'enquête. J'espère avoir un petit peu plus de chance. Bonsoir, c'est Cornou. On revient avec l'appareil qu'on vous a parlé tout à l'heure pour essayer de rentrer en contact avec vous. J'espère que vous allez y mettre un petit peu du vôtre. La sensation que tu as eue, les choses sont dessus. Voilà. Rebonsoir. C'est bon. Reflet. Il manque une roue. Ah ouais. T'as vu, il y a même ils ont même des plaquettes de frein ce bazar là, t'as vu? Ouais. Bonjour Marie-Rose. Je ne sais plus qui a demandé. C'est ma première enquête en fait, officielle. Si on n'a pas de réponse, d'ici une demi-heure, c'est ça? Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Si on n'a pas de plus de réponse, ben, on partira. Parce qu'on va essayer tous les étages. Et après, si on n'a pas de réponse, ben. Non, je ne touche pas les objets, c'était la caméra de
de Fifi. Je pensais, j'ai cru qu'elle était en train de glisser, mais non. Bonsoir, Sylvia. Et je vais allumer la lampe de poche. Ou tu veux rester dans le noir total? Non, ça va, là. On va rester. Non, c'est pareil. Mais tantôt, on était quand même dans le noir, donc. Ouais, à l'aise. Ouais. C'est comme tu fais. Ça serait peut-être mieux, oui. Ok, ça marche. Voilà. Donc, on va encore une fois être dans le noir. Donc, c'est normal, hein. Vous êtes toujours là. Donc, voilà. On va réessayer une séance de Spirit Box avec la 11. Normalement, ne capte pas les radios. L'antenne est désactivée. Maintenant, être sûr et certain à 100% qu'on n'entendra pas la radio, ça, on verra. Alors, je vais me mettre à 100. À 100. L'autre côté, à 100. Voilà. À la fin. Et je vais balayer en avant. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? N'ayez pas peur de nous, on est ici pour vous aider si vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous êtes toujours ici avec nous? Est-ce que c'est vous qui avez dit oui? Est-ce que vous pourriez confirmer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une femme?
Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que c'est vous tout à l'heure qui avez touché les cheveux? Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Non. Est-ce que vous sauriez faire un bruit, s'il vous plaît ? Est-ce que tu es là, mamie? Mamie, tu me manques. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît, mamie. C'est toi, mamie. Je t'aime, mamie. Est-ce que tu es près de nous, mamie? Et toi, papy, tu es là?
Je pense que, oui. De loin, de loin, de loin. C'est vraiment lointain. C'est ouais, totalement. Franchement, c'est loin, loin. En perso, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Peut-être essayer en même pour voir. Il y a quelqu'un? Voilà, je me suis mis en AM, donc c'est les grandes ondes, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Papy, est-ce que tu es là? Et toi, mamie, est-ce que tu es là? Qui a dit que avec l'homme là, oui. le petit vieux là, oui. Il est quoi là? Ouais. Faut lui dire de faire du bruit, mais ça fait chaud là, j'ai plusieurs demandé plusieurs fois, ouais, toujours là. De faire du bruit et tout ça. Pour moi personnellement, soit c'est très faible ou soit il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a même pas une capacité de lumière qui bouge, il n'y a pas de bruit. En tout cas, la Spirit Box, quelques mots. On va voir, mais vraiment lointain. Quelques mots, mais ouais. Sinon, pas. Je pense que vu qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici, enfin, squatter, visiter, tout ça, je
Je pense que ça fait énormément aussi. Donc, il y a souvent des endroits comme ça, squatter. Ben, tu sais ce qu'on va faire, Marie ? Quoi ? On va redescendre donc au deuxième. Parce qu'au premier, c'est pas possible. Et alors, on terminera par la morgue. On essaiera de refaire une petite spirit box là-bas, devant la morgue. Et alors, ben, on sortira, et voilà quoi. Okay. On mettra fin à l'enquête. D'accord, je te laisse avancer. On fera un petit, on se fera un petit débrief. Ouais. Bonsoir, Nathalie. Eh bien, on va redescendre au deuxième étage. Justement, Nathalie, s'il manquait d'énergie, ils ont épuisé dans les, batteries. Tout ce qui est lumière, batterie, etc. Et ici, il n'y a rien qui a bougé. Donc, voilà. Ici, on redescend au deuxième. Donc, on va essayer au deuxième. S'il n'y a rien au deuxième, on descendra à la morgue. Et si vraiment il n'y a rien à la morgue, bonsoir. On aura tous les étages. Voilà. S'il y a encore entité dans ces lieux, je vous autorise. Je dis bien, je vous autorise à me prendre un petit peu d'énergie. Si vous ne voulez pas, ou si vous ne savez pas prendre de l'énergie dans les batteries, des appareils, je vous donne l'autorisation de me prendre un petit peu d'énergie pour essayer de vous manifester, ou de tenter de faire un bruit, taper dans un mur. Nous montrer que vous êtes là. Apparemment, vous êtes là. Mais on voudrait bien avoir une preuve que vous soyez là, avec nous. Ça nous ferait super plaisir. Est-ce que vous pourriez faire un bruit ? On t'a touché ? C'est vous qui avez touché Marie, les cheveux de Marie. Vous pourriez recommencer ? Hein? Ouais. Eh ben j'ai des frissons. Voilà. J'ai des frissons. Merci, si c'est vous, merci. Ouais, j'ai des frissons. Prenez. Ouh là là, j'ai des frissons. Est-ce que c'est vous? Je vais installer un pod. C'est un petit boîtier noir avec une antenne. Est-ce que vous seriez capable de le toucher pour nous montrer que c'est réellement vous? Je vais l'installer de suite. Et suivez-nous, on va essayer de se trouver une petite place. Suivez-nous. Venez avec nous. Je vais mettre la caméra. Ouais. Voilà, je vais déposer la caméra. Oups. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Si oui, touchez ma main. Je vais enlever la nacha parce que chaque fois que je passe avec ma lampe dessus. Voilà. Ouais, je sais pas, je passe avec la lampe dessus. Ouais. Est-ce que vous pourriez toucher les cheveux de Marie, s'il vous plaît? Venez, venez avec nous. Suivez-nous. Je vais vous mettre le pod et je vous demanderai, si possible, de toucher l'antenne. C'est inoffensif. Vous pouvez me faire confiance.
carte avec la Vierge Marie. C'est une cassette. Ah, c'est une cassette, ah, ouais, voilà. Il y a même Hélène. Ah, oui, c'est carrément une cassette vidéo. Avec la Vierge Marie dessus. Voilà. Voilà. Voilà, je le dépose à terre. Maintenant, je vous invite à venir toucher l'antenne. Si c'est vous, si vous êtes là. Prenez de l'énergie. Vous pouvez me prendre de l'énergie si vous voulez. Pas tout, un petit peu. Ou est-ce que vous voulez qu'on retourne dans le couloir? Si vous voulez qu'on retourne dans le couloir, faites un bruit. De l'autre côté là-bas, j'ai une sensation de froid, j'ai la chair de poule. Mais c'était faible, hein? Sentez vraiment. C'est pas qu'on fait ça. Hein? Oui. Faut exagérer. Mais. Non, 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 il faut faire une petite énergie. Vraiment, arrête là. Sentez deux fois. Est-ce que c'est vous qui avez touché les cheveux de Marie? Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez peur de toucher l'appareil à terre? Je pense que vous n'avez pas connu ces appareils-là. Et vous pouvez me faire confiance. C'est totalement inoffensif. Vous n'êtes même pas obligé de toucher l'antenne si vous voulez. Uniquement à la mettre à quelques centimètres de votre main. Essayez. Je vais vous montrer. Regardez. Je ne la touche pas. Voilà. Vous voyez? Vous n'êtes même pas obligé de la toucher. Uniquement vous y approchez, c'est tout. Attends, je vais bien remettre le porte dans le couloir. Est-ce que vous voulez qu'on retourne dans le couloir? Faites-nous un signe, un bruit. La musique, mais pas là dehors, là. Ou alors c'est à l'extérieur là-bas.
J'entends rien, moi. Non, sérieux, j'entends rien. Vous n'entendiez pas de la musique Dites-moi, si c'est moi qui deviens folle. J'entends et je l'entends encore. Pas de musique à fond, mais rien, mais... C'est quoi pour musique? Ah, je ne sais pas dire quelle musique c'est, mais j'entends chanter, quoi. Ah, si, j'entends. Ah, t'entends? Ouais. Enfin, rassure. Ça vient de dehors, je crois. Ça va, c'est de la musique qu'il y avait dehors, j'ai eu peur. Rien du tout. Qui n'ont pas un petit peu d'énergie pour faire un bruit. Ben c'est ça. Tu vois. Ben oui. Si, ont, si c'est réellement eux qui t'ont touché deux fois, trois fois dans les cheveux, une fois tantôt et deux fois maintenant. S'ils ont de l'énergie pour te toucher les cheveux ou te frôler les cheveux, ils savent quand même frôler l'antenne quand même. Fred, tu sors. Tu sors. La Fred, mon modo qui dit, c'est l'heure de prendre des médicaments, mamie. Ben, je dis, tu sors. Bon, on va réessayer dans le couloir, alors. Oui, on va retourner dans le couloir. On va appuyer le bouton. Tu veux que je le tienne pendant que tu prends? Comme tu veux. J'ai un chat là-bas pour que tu saisis les mains. Voilà, on vient dans le couloir. Je le mets là sur la chaise ou par terre? Je vais tourner. Derrière, il y a un petit interrupteur. Voilà. Voilà, on est revenu dans le couloir. Maintenant, est-ce que vous pourriez retoucher les cheveux de Marie ? Voir si c'est bien vous qui l'avez fait la première fois. On était ici tantôt, hein? On vient de redescendre, on est au deuxième. Oui, oui, d'accord, mais quand on t'a touché les cheveux, oui, c'était ici, hein? Ok. Oui, c'est triste, Nathalie. Si vous ne vous manifestez pas, ou si vous ne faites pas un bruit, on va s'en aller. Et à la limite, restez sur notre faim.
Apparemment, vous êtes triste de rester dans ces lieux. Ça, je vous comprends. Mais si vous êtes triste, que vous avez besoin d'aide, si vous ne rentrez pas en contact avec nous, on ne peut pas savoir. Alors profitez-en. Montrez-vous. Faites un bruit. Touchez le pod, le petit boîtier noir. Il est inoffensif. Retouchez les cheveux de Marie alors. C'est dommage. J'aurais pensé que vous auriez profité de notre venue pour essayer de rentrer en contact avec nous. C'est dommage. Ça vaut encore la peine de faire une séance de spirit box ici? Non, je crois qu'il n'y a rien du tout. Mais écoutez, on va tout doucement descendre. On va faire le sous-sol. Peut-être faire une petite séance de spirit box où il y a la morgue. Et après, bon, ben voilà, on va vous laisser. Et j'espère que si une prochaine fois on déciderait de revenir, vous serez un petit peu plus motivé à nous parler. Maintenant, point de vue PVE, aux analyses, je regarderai le dictaphone et je verrai bien si vous nous avez répondu. En tout cas, si vous nous avez répondu, encore un tout tout grand merci. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et j'espère qu'on ne vous a pas trop embêté. Je vous en remercie. On va vous laisser. Non, pas encore, Marie, on va aller à la morgue. Faites-nous un bruit pour nous dire au revoir, si vous le pouvez. Faites un bruit. Oui, chez vous, c'est... Oui, j'ai pu penser, ouais. Chez nous, on dit une morgue.
Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Merci. Non, Joël, on va descendre la main. Voilà. Bestiole. Eh ben, on y va. Tu sais, ça sent la rage. Et à mon avis, tout ça, ça va dégager. T'as pas entendu le bruit? Non. Quoi? Toc. C'est peut-être moi parce que j'ai été contre le. Ah, ça va. Je vais prendre le montier de sortir des escaliers. Eh ben, voilà l'entrée, et nous on va aller là, là-bas. Vous voyez les nounours? Il n'y en avait pas deux tantôt. Tu sais quoi, j'ai même pas fait attention qu'il y en avait. Ah bon? Je ne saurais pas le dire. Donc il y en avait un là. Eh bien, on va descendre. Oui. Hein? Local des défunts. Donc, c'est la morgue. C'est petit, hein. C'est vraiment mini mini. C'est vraiment mini mini, oui. Vous voyez? Voilà la morgue. Voilà, c'est ici qu'on mettait les cadavres, ouais. de personnes avant que le. Avant que le corps ne parte à l'hôpital, je suppose. Non, au. Allez, au cimetière. À l'époque, c'était directement. Au cimetière. Au cimetière, quoi. Ah ouais. Je pensais qu'en attendant, s'il fallait faire. Tu vois, non, ils décèdent dans leur chambre, et quand ils sont décédés, on les descend à la morgue pour les préparer. Et puis voilà. Moi, je pensais qu'ils allaient quand même à l'hôpital, moi, si jamais ils devaient faire une autopsie ou. Ah, si, un décès suspect d'un pensionnaire, oui. Voilà. Mais sinon, c'est pas systématique. Enfin, chez nous, en Belgique en tout cas. Ah ouais. Voilà. C'est la morgue. Là, c'est une autre pièce. C'est souvent un truc de stockage. C'est le kiné qui est parti. Deux ? Le kiné qui est parti. Wow. C'était une mini riki. C'est petit, hein ? Non, c'est tout petit. Mmh.
Non, oui, je n'ai pas de frigo. Vu que je travaille à base de repos, je peux t'expliquer qu'en maison de repos, enfin du cachet et nous, il n'y a pas de frigo. Donc local électrique. On descend les défunts chaudière. À la main, pour s'occuper de tout ça. Et puis alors, on peut aller chercher pour aller au fond de la. Sans commentaire. C'est ça. Mais il y avait une grosse machine à lessive industrielle. Elle n'y a plus, hein. Elle était là. Toute nouvelle, là, quand on était passé. Ouais. Ouais. Ah ouais, pourquoi ils n'ont pas repris. Ils l'ont peut-être repris, non ? Elle est plus là. Ah. Ça, c'est la cuisine. Ah ouais. C'est qui en reste. Tu vois, c'est un petit bazar quand même. C'est tout petit, hein, ouais. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire à manger ici ? Oui, c'est ça, Anita. Et ben voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout. Ouais. Maintenant, je sais pas si ça vaut quoi la peine de faire une séance de spirit box. Je pense pas. Vraiment, mon calme. Attention, attention, il y a des trous. Parce qu'ici, il y a des trous. Hop. Voilà. Et ben voilà, les amis. Nous voilà. Nous voilà revenus. On n'a pas vraiment eu de réponse. On peut dire que ce soit une réponse. Bon, voilà. Bon, en tout cas, vraiment très, 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 très faible. Eh ben voilà les amis, on va faire un petit débrief sur ce qu'on a eu. Pas grand chose, mais on va faire un petit débrief quand même. Je vous reprends après les amis. Et ben voilà les amis, on se retrouve à la fin de l'enquête pour un petit débrief. Moi personnellement, j'ai eu à deux ou trois reprises la chair de poule des débuts jusqu'au bout de mes guiboles. Sinon à part ça. On a fait quelques séances de Spirit Box avec la BSB 7, c'est la BSB 11. Maintenant, ça a déroché. On a essayé de faire essayer d'avoir des résultats avec en faisant des séances de PVE. Bon, maintenant, ça a déroché aussi avec le dictaphone. On a eu beaucoup de bruit externe. Tous les carreaux étaient quasiment cassés et les portes n'y étaient plus. Donc c'était une enquête très très difficile. Maintenant on verra les rushs. J'espère avoir terminé le montage pour fin août. Peut-être avant, c'est à voir. Sinon, le ressenti, à part ça, ça a été. Je n'ai pas ressenti des trucs particuliers. Donc, voilà. Pour ma part. Maintenant, toi ? La même chose. C'était pas évident du tout. Ouais, comme tu dis, avec le bruit extérieur, c'était pas facile du tout. Non. C'est dommage que c'était très calme.
À part une petite réponse ou deux, mais vraiment loin de cela. Je pense que ça a tapé une fois. Ouais. Je pense, mais je ne suis pas sûr à 100%. On a cru entendre marcher aussi au début de l'enquête. On a entendu marcher tous les deux en même temps. Ouais. En même temps, ouais. Maintenant, voilà, ça reste à démystifier parce que voilà, est-ce que ça vient de... On n'affirme rien. On pense qu'on l'a entendu. Voilà, c'est ça. Maintenant, être sûr à 100%, ça. Donc voilà, sinon, très très peu de réponses, très très calme. Il n'est pas évident. C'est vrai qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu beaucoup de chance de notre côté. Non. On avait tout. Tout qui se mettait. Non, c'était pas évident du tout. Mais une très belle enquête quand même. J'ai bien apprécié l'enquête. Et j'espère que tu as bien apprécié aussi. Oui, tout à fait. Hein, depuis le temps qu'on se parle et qu'on devait se voir. Oui. C'est dommage que ton homme, que tu n'as pas su... Moi, ce sera pour la prochaine fois, oui. Il sera là la prochaine fois. Je l'espère. Comme ça, bon, ben voilà, on fera un duo à trois. Oui. Et ben voilà, les amis. Voilà, la fin de l'enquête. Ben écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.